Bonjour YouTube, bienvenue à vous. Bienvenue à vous YouTube. GTA Vice City, comme GTA 3, mais la suite, tout simplement. Enfin la suite. La suite, voilà. L'upgrade du jeu, quoi. Time of a study. On s'en fout de l'histoire. On n'est pas là pour faire un let's play ou quoi que ce soit, on s'en fout, l'histoire, voilà. Si vous voulez voir un let's play de Vice City, vous allez me voir sur YouTube, il y en a déjà plein, j'en suis sûr. Des gens beaucoup plus marrants, on lui fait des trucs vachement mieux. Code pour Vice City tout de suite. Pas tout de suite. Je veux bien le code des armes, s'il te plaît, juste le code des armes. Alors il y a Captain Over qui va m'aider, qui sera mon aider de code, etc. Donc qui va m'aider pour le code. On va faire un truc tout de suite. Mais alors tout de suite. La sensibilité de base de jeu est horrible. Moi, j'ai l'impression que je joue avec une sensibilité très faible sur ma souris. C'est l'habitude que j'ai. Alors, par contre, voilà. Bon, on va essayer de faire les premières missions quand même parce que vous savez qu'on est obligé dans les jeux de faire les premières missions, etc. Ah, merde. Pourquoi j'ai les art follow de. Ça va être un problème. J'ai les art follow de la télé Minecraft. J'essaie de les activer. Ça va être chiant. Ça va être très chiant. Je les ai désactivés. En fait, c'est même pas sur la même scène. C'est même pas sur la même scène, mais ça fait quand même le bruit. Ce qui est un peu con. Vous trouvez pas? Non, je trouve ça un peu con. Merde. Si jamais ça le refait, je couperai. Enfin, je désactiverai complètement la scène. Enfin, je la supprimerai complètement. Les cartouches. Les cartouches. Yes, merci. Nickel ça. Ah, la fameuse sulfateuse, hein. Alors y'a quoi? Y'a la tronçonneuse et tout. Ouais. Donc là déjà y'a... Déjà maintenant, enfin, la différence avec GTA 3, c'est qu'on peut bouger la caméra. Et ça, les développeurs, pour ça je vous remercie. Alors y'a accès à plus... Dans Vice City vous avez accès à plus de véhicules, la map est plus grande, etc. Enfin... Ça reste assez basique quand même. C'est vraiment Saint Andreas qui a un peu genre révolutionné GTA, qui a permis une map qui était à l'époque mais gigantesque, mais vraiment hein, pour l'époque c'était assez ouf. Voilà, et du coup Vice City, la map est pas méga grande. Enfin je ne sais pas. Je vous avoue qu'en fait moi j'ai beaucoup joué à GTA 3. Vice City très, enfin un peu plus, mais Saint Andreas très très peu parce qu'elle est regardez, là on a accès à la carte. Vous voyez, elle est pas plus grande que GTA 3. Je suis pas sûr. Mais voilà, il y a quand même pas mal de trucs. Alors que celle de Saint Andreas est déjà beaucoup plus grande. Enfin, à l'époque, c'est vraiment. Ouais, vous voyez, moi tout à l'heure j'ai fait ça, j'ai sauvegardé. J'avais sauvegardé ici et j'ai remplacé ma sauvegarde par celle que j'ai téléchargée. Pourtant, ça n'a pas changé. Enfin, ça n'a rien fait, donc je ne sais pas. Je ne sais pas pour ça. Bon, l'histoire, on s'en fout. On veut juste faire la première. La première mission histoire de débloquer l'open world, le vrai open world. Et voilà. Pour trouver le cabinet d'avocat sur le point L sur le radar. J'adore le petit scooter là, petit Vespa. Je sais pas, ça m'a toujours fait trop rire. Alors les touches sont pas les mêmes que GTA 3 malheureusement. À quelques subtilités prêtes, mais j'ai reconfiguré quelques trucs, mais sinon ça c'est. On va aller faire les premières missions quand même. Sait-on jamais. C'est vrai que c'est dans Vice City qu'il y avait la notion de prostituée qui apparaissait. Je crois qu'elle n'y avait pas de prostituée dans GTA 3. Enfin, je dis ça, je dis peut-être des conneries, je m'en souviens plus trop, mais je ne crois pas. Pour GTA 2, pas fait. Vice City parcouru sur Vice City Stories. Voilà, celui à 80%. De quoi? J'ai pas compris. Ouais, tais-toi. Va te procurer une nouvelle fringue à la boutique de Raphaël. Okay. Ah, il y a. Oh, regardez! Il y a un policier qui. Oh, on va l'aider. Stop! Ici la police! Arrêtez-le, monsieur! Arrêtez-le! Allez-y! Allez! Allez, arrête-le! Qu'est-ce qu'il fait? Il va sauter? Non, il va sauter. Oh, regardez! Regardez! Oula! Vas-y, police man, vas-y, déboîte-le. Oh, ils sont deux, ils vont l'arrêter là. Oh, regardez-moi ça, ils vont le coffrer. Quoi? Non. Putain, j'ai cru qu'ils allaient se battre entre eux, les policiers. Oh, c'est bon. Ok. J'adore les policiers de ce jeu, quoi.
Mec, ils ont déglingué un gars et puis ils s'en vont au calme, genre en mode c'est bon. Cette zone est désormais pacifiée. Nous avons fait ce que nous avions à faire. Nous avons interrogé le suspect. Bien sûr, on dira pas qu'il était noir parce que c'est évident pour ça qu'ils se sont jetés à deux dessus. Il avait rien fait, j'en suis sûr. Bon, on garde notre Vespa là. Il y a j'ai vu un speedrun de GTA Vice City. C'est absolument délicieux à regarder. Vous tapez speedrun GTA Vice City sur Google, je pense. Enfin, c'est sur l'émission speedgame de jeuxvideo.com. Quand elle existait encore, RIP. Mais c'était vraiment un speedrun assez ouf. Genre vraiment. Très impressionnant et tout, c'est assez rigolo. J'y pense parce que au départ, je crois qu'il utilise justement le petit Vespa pour prendre pas mal de roues, de détours, de machin. Et c'est assez impressionnant. Wouh! Ah putain, j'ai encore les followers de Minecraft. C'est très relou. Je vais les supprimer. Donc là, je vais lever les Minecraft. Vous dites, ah, qu'est-ce qu'il fait? Blablabla et tout. Non. Donc là, j'ai supprimé en espérant que ça passe. Ça, c'est chiant un peu. Je vous avoue que c'est un peu relou. Hop. C'était là. Ah. Je sais pas du tout ce qu'on fait, hein, mais c'est pas grave, on le fait. La fête. Emmène la fille du colonel. Alors, meuf, t'as le choix entre cette voiture, ce truc de merde. Tu choisis quoi? Ok, d'accord. Ah, y'a un parking. Ça vous rappelle pas le parking de... Oh, regardez, c'est exactement le même parking que leur driver. Enfin, presque. TG. Regardez, c'est trop drôle parce qu'en fait ils ont essayé de simuler le vent. Sauf que en fait ça marche quand il y a les vêtements. Et quand c'est la peau du personnage, c'est un peu débile. Oh putain. Le scooter. Viens remonte Bobby. Pas de choix possible. Ouais, je suis un kéké, ma gueule, regarde-moi ça. Wop, 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 go. Putain, le petit scooter, quoi, il est tellement cool. Et voilà. Ok, super, bisous. Putain, regarde-moi ça, quoi, regardez-moi ça. Mission accomplie, $100. Ouais. Donc là je vais voir si je peux pas aller sauvegarder et re-télécharger une sauvegarde et voir si cette fois ça fonctionne. Je crois que c'était pour ça que ça n'avait pas fonctionné la première fois que je l'ai fait. On va essayer ça. Là, on va sauvegarder là-dessus. Oui. Voilà. Là on va quitter le jeu. Ok, on essaye, de toute façon ça marche pas, au pire Osef, on refera des trucs et tout. Alors GTA Vice City Save, c'est rapide à faire, vous inquiétez pas. Hop, juste voir si c'était à cause de ça ou pas. Hop là, mes documents. GTA Vice City. Hop. Toc. Voilà, c'est bon. On essaie de relancer le jeu. Et là, on va voir. Si ça marche pas, bah écoutez, c'est pas grave. Salut Ruby, bienvenue à toi. Voilà, vous voyez, c'est bien la même. Ah, 22 novembre 2006. C'est pas la même que tout à l'heure. Ah. Et non, regardez, ça recommence le jeu au début. Ça recommence le jeu au début, donc c'est bien de la grosse merde. Salut Solid Snake, bienvenue à toi. Putain, ça me saoule, bah du coup on est obligé de refaire, mais bon, Osef. Ah, ça me fait chier par contre. Ouais, donc du coup la sauvegarde marche pas. C'est bien ce que je disais, enfin c'est très bizarre. C'est très 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 bizarre. Attendez.
Je t'ai follow. Merci. Merci et bienvenue à toi. On va refaire ça vite fait là, vite fait, vite fait. On fera pas la suite d'émission, mais. Ah, c'était Billie Jean. Il y avait Billie Jean qui passait à la radio. Ah, je suis deck parce que franchement, je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas pourquoi. Enfin, je sais vraiment pas pourquoi ça m'a. C'est dommage. Mais du coup, on va abandonner le. Qu'est-ce qu'il parle? On va lâcher la petite. On va lâcher la petite Vespa là. Parce que du coup, on va perdre trop de temps. Du coup, ouais, c'est bizarre. On m'a lâché du chocolat blanc et je reviens de mon cours de guitare. Je peux aller mieux. J'avoue. Chocolat blanc, c'est tellement bon. Pas. Genre moi j'aime bien ça, mais en vrai pas tout, enfin pas trop quoi, parce que c'est vite dégoûtant. Mais je me rappelle au lycée, j'avais une amie qui ramenait toujours du chocolat blanc et tout, c'était trop drôle. Oh toi! C'est tellement dur de viser. Bonjour. Oh. Arrête-toi. Attendez. Tu refais les GTA. Ouais. On a fait GTA 3 la semaine dernière. Et là, regardez, c'est trop drôle. Regardez, regardez, on a l'impression que c'est un enfant qui conduit quoi. Est-ce que je peux l'avoir à travers la... Complètement oui. Oh putain. Qu'est-ce que t'étais moche. Désolé, mais t'étais vachement moche quand même. Go. Bon, on va explorer un petit peu les enfants, on va s'amuser un peu. Et après, on fera une session. Donc en fait, on va faire une vidéo par GTA. Donc à savoir, là, on va faire une vidéo pour Vice City. Et ensuite, on fera une vidéo pour San Andreas, d'accord. Donc là, on fait une petite session, on se balade, on fait un peu nimp et tout, blablabla. Et après, on fera une autre session. Par contre, pourquoi il court pas? Bref, on fera une autre session plus avec les codes et tout. Là, je compterai sur. Et merci Snowy Snake, du coup, pour ton follow. Merci à toi. Ça me fait trop peur. C'était vachement fort et tout. J'étais en mode, oh mon dieu, j'étais pas prêt. J'étais clairement pas prêt. Bon, du coup, faisons un peu n'importe quoi et après, on s'amusera un peu avec les. Ah, mais c'est vrai que j'ai la version française sans le sang. Ça, c'est vraiment de la merde. Salut, Majaspic, ça va? Moi, ça va. Moi, ça va bien. Ça va toujours bien. Donc allons nous balader un peu et puis après on ira un peu voir ce qu'il y a comme code etc. Donc là je compte sur Captain Over et tout. Sur PC ou PS4? Sur PC là. Le bruit des follow. Mais trop bien le bruit des follow. Arrête. Je sais pas où je vais. Je sais que je sais pas si c'est à Saint Andreas ou enfin Saint Andreas ou merde. Vice City, il y avait une un stade de putain, je perds mes mots, de motocross. Je sais pas dans lequel c'était. Je crois que c'était Vice City. Alors je sais pas du coup par contre. Ah, quel espace c'était? C'était la première île ou quoi? Pardon, excusez-moi, pardon. Ouais, pardon, excusez-moi. Regardez, il y a un avion là-bas. Pardon. Excusez-moi, pardon, merci. Pardon. Excusez-moi, merci, pardon. Oh, vous êtes un policier? Bon, pardon, excusez-moi, pardon. C'est Vice City à San Andreas en ce moment. Bah, moi je vais faire San Andreas juste après là. On joue un peu à Vice City, après on passe sur San Andreas. On a fait GTA 3 hier, la semaine dernière. Disponible en replay évidemment. Sur ma chaîne YouTube. Et oui, incroyable, génial, j'adore. C'est dans les deux le stade. Ah, cool! Ah, je veux savoir où il est alors, je veux le trouver. Je veux le trouver, mais dans mes souvenirs il était. Oh merde, c'est fermé par ici du coup. Quel dommage que les saves fonctionnent pas quand même, parce que ça m'éviterait. Ça m'éviterait d'avoir à. Enfin, ça m'éviterait juste de faire le jeu et d'avoir tout, tout direct. Ça a très bien marché pour GTA 3, je sais pas pourquoi ça marche pas pour le Vice City. Et San Andreas non plus, ça a pas marché des masses, mais San Andreas, j'ai pas du tout. J'ai pas du tout cherché à commencer la quête. Ouais, elle est nulle.
Putain, non, j'ai une roue qui fait de la merde. Pardon, excusez-moi, excusez-moi. Oh putain, c'est vrai qu'il mettait ça. Oh, c'est tellement la merde après pour conduire les gens. Une numéro 2 sur mes systèmes. Ah merde. J'ai fait une bêtise, chef. Salut, Volao, bienvenue à toi. Je vais tomber dans l'eau. Non, pas du tout. Oh, allons nous réfugier dans le truc de pizza. Vite, sors. Par contre, j'ai pas la touche pour courir, c'est un peu. Vite. Non, j'ai pas le temps. Je m'en fous de la food. Boum. Putain, y'a pas de sang, ils ont vraiment de la merde. Vraiment de la merde. La merde. Putain, viens là, toi. Regardez, c'est trop drôle, il peut pas tirer. Regardez, regardez, regardez. Vous êtes cons, hein. Je suis indestructible. Salut, Valéo, je suis tombé dans l'eau. Non, j'ai pas le temps. Ah, mais si, ça me régène. C'est génial. Par contre, je perds de la... Je perds de l'argent. Quoi? T'arrives à tirer à travers toi? Pourquoi tes collègues ils y arrivent pas? Moi j'y arrive pas hein. Salut, ça va? Bonjour. Bonjour, alors vous êtes des policiers comme ça? Ouais, super, ouais. Ça a l'air intéressant votre boulot, dis donc. Ah, ça... Ça traverse. Sérieux? Pardon, excusez-moi. Le bus! Il me faut le bus! Si j'ai le bus, c'est OP. Nice! J'ai le bus, c'est OP. Vite! Pas le temps d'écouter la musique, bordel. Gilles! Bonjour! Non, 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 pas les machins. Faut pas qu'ils me. Pas les Hers là. Non, pas les Hers! Là, vous avez un bus, vous êtes le roi du monde dans ce jeu. Très clairement. Alors, maintenant, les gens du chat, allez me chercher les codes les plus barrants que vous pouvez trouver. Notez-les quelque part et ensuite vous me les envoyez une fois qu'on a qu'on aura fini cette course poursuite. On fera une partie avec avec les codes et tout le bordel, ok? Donc commencez à aller chercher les trucs. Très mature Gilles, très mature. Bravo. Regardez, c'est trop drôle quand vous avez un bus, c'est trop drôle quoi. Ils peuvent rien vous faire. Ils peuvent rien vous faire, en plus ils se détruisent à essayer de vous taper dessus. Allons. Allons là-dedans. Je pense que j'ai exactement la bonne hauteur pour aller dans ce genre de truc. Mais... Elle a quoi l'autre derrière là? Je pense que. Je pense que je suis dans mon élément là. C'est pas une voiture de flic derrière, on est d'accord. Oh putain. Vite sa mère, j'ai pas réussi à remonter. Non! Ah, génial hein. Bon les gens, allez chercher des codes. Allez chercher les codes les plus drôles du jeu et mettez-les moi dans le chat. Alors ça c'est Nutter Tools pour les armes. Je m'en souvenais plus. J'ai fait un alt-tab. Voilà. On va le faire plusieurs fois. Voilà. Et à la voir, il y a marqué t'es. En fait, c'était nul. Non, c'était mort, voyons. Genre, t'es mort, tu vois. Ah! Si ma chaise roule sur mon fil de casse, ça va pas le faire. J'ai pas envie qu'il clame en deux jours, voyez. Hein? Bon. Trouvez-moi des codes drôles à faire, les gens. Genre, comme on avait fait pour GTA, les trucs, genre les piétons des armes, émeutes et tout. Mais par contre, mais la sensibilité de cette souris, c'est juste abusé, quoi. Il parle une souris. C'est horrible quoi, je vous jure c'est horrible. Ouais, là c'est pas ouf. Mais en fait c'est bizarre parce que je ne comprends pas la sensibilité de cette souris. Là c'est pas assez sensible. Ok, on va faire ça. Bon, personne veut chercher des codes, bah tant pis pour vous.
Tant pis pour vous. Option. Manette. Racine comment? Courir. Mage gauche. C'est parti. Alors, débloquer le tank, voiture flottante, voiture encore plus rapide. Les voitures flottantes, ça sert parce que vous pouvez passer d'une île à l'autre, du coup. Donc, on va faire ça. J'ai fait le code des voitures flottantes. Pardon! Arrête-toi! Au nom de la loi, arrête-toi! Ok, super. Bon, bah, toi, tu t'arrêtes. Moi, hein, voilà. Maintenant, avec les voitures flottantes, on peut normalement passer de. Je veux pas que les piétons attaquent le joueur. Je veux qu'il y ait le code des émeutes. Faut que je retrouve la plage. Elle est à la gauche en fait. Est-ce que je peux l'atteindre par là? Je crois pas. Non! Oh sa maman! Ça passe ou pas? Oh ça passe! Oh non! Ça passe pas. Et là regardez! Et là c'est génial parce que là je peux passer d'une île à l'autre sans les avoir débloqués normalement. Ça c'est trop bien. Ah voilà, c'est ça que je voulais. Émeutes et les pitons et les arbres. Attends, je vais attendre d'être sorti de l'eau et d'une voiture. Je me souviens de ce code. Non, faut que je remonte là-bas, je pense que je peux remonter par là. Oh merde! Ah merde! J'ai fait une bêtise, chef. Vas-y, alors je vais faire les piétons soient armés et émeutes parce que ça c'est drôle. Alors la pièce sur armée c'est AO code even right. Come on Barbie, let's go party. Merci Azatia. Putain, du coup j'ai pas réussi à noter le code. En fait c'est très chiant quand c'est noté comme ça. Je sais que les codes sont en anglais, alors écrivez-moi en anglais normalement comment c'est en fait. Parce que quand c'est tout accroché c'est juste trop relou à lire. Alors, oh god. Given right to be voilà, ça c'est bon. Et l'émeute c'est... Ah oui c'est fight fight fight. Quoi? Voilà. Donc là c'est le bordel. Ils ont pas l'air très émeute hein. Je veux une émeute. Bordel de cul. Ah. Ça m'a l'air d'être un peu plus d'une émeute déjà. Alors wheels are all I need. Vas-y je vais faire ça. J'essaie de me barrer. Oh putain la salope, elle est sérieuse. Mais viens là toi. En plus t'es moche, tu pues là. Vas-y viens là. Oh tiens. Qui veut là? Vas-y tu veux quoi là? Qui veut du pain? Toi ça meurt. Toi là-bas tu m'as regardé de travers. Tout le monde là. C'est bon, dur de viser. Je m'en rends pas compte. Voilà. Viens. Combat B, bro. Combat B. Viens là tous. C'est très relou avec le sang. Enfin, sans le sang, c'est un peu bizarre. Alors, wheels are all I need. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? Je trouve que ça fait voler les... Oh, mais non! Mais c'est nul! Mais c'est nul! Mais c'est un code de nul! Regardez-moi ce code de merde! Oh, what? Regardez-moi ça, putain. Ah, Volao a toujours les idées de merde, hein, bravo. Hein. Putain. Vas-y, j'allais me planquer là pour changer ça.
Attends. Voilà, ça normalement ça a désactivé le code. Ouais! Come fly with me. Merde, j'ai mis un espace. Je suis sûr que ça c'est pour faire voler les voitures. Genre le code que j'adore. Alors ça suffit, je suis sûr que c'est ça. C'est carrément ça! J'adore. Wouhi! J'adore ce putain de code. Allez, on tente de s'envoler, les gens. On tente de s'envoler. Il faut reprendre une voiture super rapide. Est-ce que le code des voitures qui vont sur l'eau est toujours activé? Je... Normalement, oui. On va voir ça tout de suite. Normalement, oui. Moi, je suis en train de voler, là. Attention, verdict. Oui, il est toujours activé. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on atteigne l'autre île. Moi je veux absolument Putain. Je vais aller à l'île 2. Il faut que j'aille à l'île 2 et que je chope une voiture qui aille super vite. Peut pas mettre de marqueur encore. Vous êtes ici, super. Donc faut que je traverse tout. Faut que je traverse complètement tout là. Alors, faut que j'aille complètement à l'opposé de là où je suis. Ok, super. Donc je repars là, quoi. Faut que j'aille par là. Il y a une voiture de police, mais la police me recherche, donc ça pue un peu la merde. En même temps, à mon avis, ils ont autre chose à foutre que me poursuivre. Apparemment non. Apparemment non. Oh putain. Eh bah oui, parce que comme je vole. Excusez-moi, pardon. Elle est là-bas, l'île 2, non? Oh putain, c'est une bonne voiture, ça. Je vais essayer de la choper. Pardon. Quoi? Non, mais putain, non. Non. C'est pas grave, normalement, ça désactive pas les codes. Ah si, ça a tout désactivé, regardez. Ils ont plus d'armes et tout. Ah non, c'est bon. Non, non, non. C'est bien ce que je me disais. C'est un jeu qui est bien codé et tout. Super. Je vous jure que j'arrive pas à viser. Au nom de la loi, arrêtez-vous! Putain, mon personnage est épuisé, quoi. Hello! Seven Freak, hello. Welcome to the stream, man. Ok. J'ai où? Carte. Non, pas stat, carte. Bah, faut que j'aille là, en fait, ça va. Juste là-bas, là. South Bridge, ok. Ok, c'est par là, les gens. Oui. On s'envole là. On s'envole plus. En fait, on s'envole avec les vagues, c'est trop drôle. Faut qu'on arrive à prendre assez de hauteur pour atteindre. Là, faudrait qu'on saute. Ah, nickel, 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 c'est ça que je veux. Parfait. C'est la classe ça ou pas? Maintenant faut que je chope une voiture qui est super rapide. Je sais pas où est-ce qu'il y en a. Il y a quoi? Ah c'est l'aéroport! Bah super ça, j'adore l'aéroport moi. J'aime ça moi les aéroports. Excusez-moi. J'aime ça les aéroports. Comment on rentre dedans? Is that your gaming room? That's not my gaming room, that's my my flat actually. Where I'm living and that's why there is a washing machine just behind me. That's not really really great. Ok, on y va. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, pardon. Je sais pas si on pouvait rentrer par là en fait, je me rappelle plus. Je crois pas en fait. Écoutez, on va essayer. J'ai pas d'armes. Quoi? Mais. Mais.
Putain, sa mère! Ah non, c'était pas du tout par là qu'il fallait aller. Regardez, vous pouvez pas passer par là. Oh, c'est bon, je l'ai fait. Oh les gens, oh les gens! Homicide! Oh putain! Oh putain, elle a rebondi! Ok, on va se barrer tout de suite. Regardez-moi ce bordel! Ah, mais vous perdez les armes lorsque vous passez le portique. Je crois que c'est ça. Oh, toi! Viens là! Voilà, c'est ça. Par contre, comment on atteint? Je crois qu'il y avait un saut à faire en fait. Si je me souviens bien, il y avait un saut à faire. Je veux dire qu'avec ça, je peux avoir besoin de saut, mais. Ça peut le faire. Oh, regardez là par là. Ok. Ça va le faire. Merde. Ça va passer. Oh non! Oh non! Oh, j'ai tellement pas de chance, quoi. J'ai tellement pas de chance. Attendez. Wow. Elle va trop vite, elle a abusé. Ok. Non. Ok, il faut que j'arrive à avoir assez d'accélération là. Mais là, ça passera jamais. Non, c'est pas bien. Je vais bientôt la détruire ma voiture en plus, à faire des conneries là. Je pense que là il y a moyen, faut vraiment que je prenne genre masse vitesse. Non, pas dans l'eau, non. Après je m'en fous en fait, elle peut aller dans l'eau mais c'est pour le principe, vous voyez. Je peux pas aller dans l'eau. Oh putain, en plus je suis coincé du coup. Oh, j'ai une idée. Non, c'est de la merde. C'est de la merde, elle s'est envolée. Oh, oh, non. Par là, oui. Non. Elle est retombée. Mais non, elle est retombée. Putain, non, en plus elle va bientôt crever là ma voiture. Pardon, excusez-moi, pardon. Non, elles sont pas au plus tard devant le terminal aéroport. Ah ouais, ça, il y a un tremplin, t'as raison. Mais je veux réussir comme ça là, je veux réussir en mode comme ça. Regarde, easy shit, ok. Easy fucking shit. Maintenant il faut trouver un... Je sais, je suis sûr qu'il y a des... Je crois qu'il y a un avion à prendre ici aussi. Par contre, faut pas que je pète ma voiture, sur la couche de l'avion. Donc là, non, je sais qu'il y en a un. Celui-là, on peut pas le prendre, c'est sûr. Là non plus. Je sais qu'il y en a un qu'on peut conduire. Non. Peut-être ceux-là. Non, regardez, leur porte est trop. Do we live in Paris? No, I live in Lyon. It's it's an another big city in France. Attends, mais dites-moi où il y en a. Oui, il y a le dodo. Ah, il y a le chat qui a le dodo, mais où il est? Où il est, ça c'est fou. Après, on va me dire, on a une super voiture là qui vole déjà, mais est-ce que c'est ça qu'on veut? Non, nous on veut un vrai avion. J'ai aucune idée d'où il est par contre. Il n'y avait pas l'entrée là? Je sais pas. Franchement, aucune idée d'où il est. Si, on a, si vous savez où il est, vous me le dites. Enfin, ça va être chiant de genre me dire où il est exactement, mais je comprends. Oh, vous le voyez le tremplin là? Oh, vous le voyez ce truc là? Al-Akbar. Très bien. Très bien. Ça me va. Je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Vas-y. Je veux prendre le putain de tremplin là. En fait, le problème c'est qu'elle s'envole trop vite la voiture. C'est abusé. En fait, c'est abusé. En fait, il faudrait qu'elle s'envole juste lorsque t'as. Enfin, genre, juste lorsque t'as un petit tremplin, un truc comme ça. Et pas d'elle-même, parce que là, elle s'envole d'elle-même, c'est un peu relou.
Moi, je veux prendre le petit truc là, mais. Voilà, là, ça va le faire. Non, vous voyez, du coup, vu qu'elle s'envole déjà. Wouhou! T'inquiète, ça va péter. Je sais! C'est pour ça qu'il faut que je trouve le dodo avant. Mais franchement, j'ai aucune idée d'où il est. Il devrait être là normalement. Normalement, il devrait être là, non? Il devrait être dans un de ces hangars là. Ou alors pas du tout, mais. Franchement, je sais pas. Je sais pas où il est. Bon, bah, tant pis, hein. C'est pas grave. Non, vas-y, non. Je veux trouver le dodo. Putain. Ça me saoule, tous les hangars sont fermés en fait. Bon, il peut pas être là, c'est pas possible. En fait, les seuls hangars ouverts, c'est les premiers hangars que j'ai fait là. Mais là, du coup, c'est mort. Wouhou! Putain. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a deux doigts de prendre feu là. Vraiment? Vraiment, Captain? Oh! Trop bien! Best cheat. Non! Bon, du coup, maintenant on a ça, les gens. J'adore la musique, mais. Vous savez, YouTube, tout ça, tout ça. Pourquoi il y a un truc qui foire là? Bon, faut qu'on trouve le dodo. Je m'en fous, je veux trouver le dodo. Mais aucune idée. Enfin, je peux pas savoir où il est, c'est pas possible. Vous êtes sûr qu'il y est? Vous êtes sûr qu'il y a le dodo dans le jeu? Tu vois, je suis quasi sûr aussi qu'il y est, mais alors, où est-ce qu'il est? Là, franchement. C'est je sais pas. Bon. J'ai pas envie d'aller chercher sur Google là. Enfin, ça me fait chier. Me couper On va passer sur GTA San Andreas, je pense. Débloque la limousine. Merde, je me suis trompé. Ça marche pas. Bon, tant pis. On trouvera pas le dodo. On va passer sur GTA San Andreas, je pense. Et on va faire à peu près la même chose. Donc, savoir les premières missions tranquillement. Et puis après. Enfin, juste se balader un petit peu. Et ensuite, on fera les codes et tout machin. Donc voilà, ok. On fait ça. Donc merci YouTube d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, voilà, c'est une petite détente, tranquillement, voilà, j'espère que c'était bien. On va faire la même chose sur San Andreas juste après, ok? A plus tard!